Bonjour, je suis Ravi Ibrahim et Chris qui a gentiment accepté de me prendre en vidéo. On va vous parler un peu de notre projet de fin de session. On a choisi de réaliser le détecteur de poux. En premier, je vais juste un peu expliquer par rapport à multisim qu'on a réalisé sur l'ordinateur. Donc, nous avons décidé de prendre une entrée sinusoïdale d'amplitude de 20 millivolts. On peut la voir en rouge. Et on remarque que cette amplitude est amplifiée de façon énorme pour représenter le battement cardiaque. Et cette sortie est représentée en bleu. J'ai aussi oublié de mentionner que la fréquence est de 2 Hz. Dans la sortie. Ouais. On a décidé de faire ce modèle-là par multisim pour qu'on puisse représenter comme juste notre partie d'amplification et qu'on soit sûr qu'il y a amplification à la sortie avant de passer au montage réel. Ok, donc Chris, il va gentiment nous parler du circuit sur la plaque. Ouais, donc comme on vient de mentionner, après avoir assuré d'amplification, on a décidé de passer au montage. Donc nous avons les deux amplis op qui se placent ici, et avec les résistances et capacités qu'on les a calculées, on les a placés aussi respectivement au point de chaque ampli op. Ensuite nous avons d'abord s'assurer avant d'indiquer le second circuit du capteur du pouls, on a d'abord injecté une petite tension de, comme on a dit, tension d'amplitude 20 millivolts, une fréquence de 2 Hz en entrée pour qu'on soit sûr qu'il y a amplification. Après avoir fait ça, on a passé à ajouter le deuxième circuit qui est le circuit de transmetteur-capteur. Comme vous voyez ici, il y a une diode laser rouge de 950 nanomètres qui injecte une puissance optique vers la photodiode, désolé, vers le phototransistor qui va capter cette puissance optique là et ensuite le transformer sous forme de courant pour qu'on puisse l'amplifier ensuite, le visualiser à travers l'oscilloscope. Mais il faut aussi que vous sachiez comment le processus de détecteur de battement se produit. D'abord, il faut que cette diode laser va injecter une puissance optique à travers notre doigt, notre pouce en général, et cette puissance optique va varier en fonction du volume du sang dans notre doigt. C'est-à-dire que lorsque le cœur bat, il y a une pulsation ou une vague de sang qui se propage dans notre corps, et ce changement de volume va ainsi produire une variation de puissance optique à travers notre doigt, et ce phototransistor qui va le capter et puis vous pouvoir le détecter sous forme de tension vers l'oscilloscope. Donc voici la partie intéressante du projet. On visualise le signal de sortie à travers l'oscilloscope. Nous remarquons qu'il y a beaucoup de bruit, le signal n'est pas très beau. Ceci est causé par la lumière de la salle. Avant de mettre notre doigt, ça c'est le signal qu'on a. Après, Chris il va mettre son doigt, il va bien couvrir, essayer le plus possible de deux côtés, puis on va voir le signal se stabiliser petit à petit. Battement de cœur de Chris, voilà.